tous, c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. Aujourd'hui, j'ai le feu, j'ai la patate parce qu'on se retrouve pour un focus booty sexy sans aucun jump, aucun saut. Donc si problème de genou, pas de possibilité de sauter, cette séance, elle est faite pour vous. Avant d'attaquer, pensez à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like à cette vidéo pour me soutenir dans la création du contenu fitness. Ça fait zizir. Ah, pas se mentir. On va se retrouver tout de suite dans la mourance. La piquance du booty. Munissez-vous d'une chaise, d'une paire d'haltères entre 2 et 6 kg ou de paires de bouteilles d'eau, idéalement 2 litres, c'est le top. On est prêt la team? Let's go, c'est parti! Let's go, c'est parti la team. On commence par l'échauffement, le warm-up en début de séance pour bien échauffer, mobiliser le bas du corps. Allez, on commence. On peut accompagner ici pour un petit peu réveiller quand même le haut du corps quand on va utiliser nos haltères. Ça fait toujours du bien. Ici, on vient taper talon-fesse juste derrière. Encore. J'espère que vous êtes motivés. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance pyramide. C'est parmi celles que je préfère vous partager sur la chaîne, notamment pour les séances booty, parce qu'on va venir vraiment bien cramer le bas du corps, ressentir un maximum de sensations et travailler justement sur l'hypertrophie, c'est-à-dire sur le fait de venir faire gonfler, travailler, muscler et galber ses fessiers. Allez, super. C'est la combinaison de séances très renfo, très musculaires comme celle-ci, avec des séances perte de gras qui viennent travailler le muscle, affiner les jambes, sculpter, dessiner les fessiers et en même temps dégager le gras, souvent qui nous reste, vous savez, qui fait un peu de rétention d'eau en plus de ça. C'est comme ça qu'on a un max de résultats. Allez, encore. Mettez-vous face à moi. En position squat, légèrement bas. Et on va toucher ses pieds. Allez, c'est bien. Allez, on est dynamique. On se met dans le bain dès le début de sa séance. On va avoir environ 30-35 minutes ensemble aujourd'hui. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que si on veut les fesses qu'on n'a jamais eues, il va falloir faire ce qu'on n'a jamais fait. Ok, encore. On passera ensuite en étirement vers le bas. Non, 3, 2, 1. On vient écarter les jambes. On vient descendre en fente bien en bas ici. Remonter le pied et on bascule d'un côté. Puis de l'autre. Peut-être que ça craque. C'est-à-dire que le corps se réveille. Ça fait du bien. Allez, super. Donc vous pouvez faire cette séance bien sûr à la maison avec très peu de matériel. Vous pouvez également la faire en salle avec plus de charge si besoin pour encore plus pousser le côté musculaire. Faites-vous plaisir, on est là pour ça, on est venu ici pour souffrir. Allez, encore, c'est bien. On se redresse. On va venir ici travailler notre cuisse. Vous savez qu'avec les séances avec beaucoup d'impact, on vient fragiliser le genou. Ici, en venant s'asseoir juste sur une jambe, on vient travailler renforcé. En plus de ça, le genou, on garde le dos droit, on vient vraiment s'asseoir en arrière et on pousse. Si c'est trop dur, on peut t'aider un petit peu du pied. Ici, pour ta stabilité. Et on vient vraiment encore plus chauffer la cuisse. Allez, c'est bien. Encore. Super. On garde le dos droit. On crée une légère instabilité qui oblige le genou à se maintenir et à se renforcer. Ok. C'est bien. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Remettez-vous face à moi. Ok? Ici, on finit en jumping jack sans saut. On vient accélérer le mouvement. Encore. Yeah! C'est bien! Tu sens ton corps, il est en fire? Pas encore? Ça va venir. Il ne demande plus que ça. On est là pour ça. Allez, c'est bien!
Croyez-moi, ça va piquer. Vous allez le sentir dès demain. Encore. On aura ensuite 20 secondes de récup. On attaquera notre enchaînement pyramide. 3, 2 et 1. Ok, on va passer ici donc en pyramide. On va faire donc 40 secondes d'exercice, 4 exercices, puis une récup. Au deuxième tour, on rajoute 2 exercices et ainsi de suite. On commence tout de suite par soulever de terre, ici, et fente arrière droit. Soulever de terre, on fléchit légèrement les jambes, on garde le dos droit et fente arrière droit, ici. Soulever de terre, allez, contrôle ton mouvement. Plus ton mouvement sera propre, plus tu auras de résultats. C'est pas toujours en étant dans la dégoulinance la plus totale hein, qu'on a des résultats. C'est en faisant correctement les choses, correctement les mouvements. Ici, on vient tirer, étirer l'arrière de la cuisse, muscler les ischios. Et fente arrière. On fait pareil encore. Et on change de côté. Ici, fente arrière. Garde le dos droit, épaule en arrière, ici, encore, yes, c'est bien. Et on respire. Encore. Allez, accroche-toi. Le genou à la limite de toucher le sol à l'arrière. Encore. Pose tes haltères. On va passer maintenant en squat genou. On est ici. On peut se redresser si c'est difficile. Sinon, on enchaîne. On reste en position squat basse. Squat en bas. Et on alterne. Ici. Garde le dos droit. Fesses en arrière. Et on accélère. Allez, c'est bien. On travaille à la fois ses cuisses, ses fessiers, l'ensemble du bas du corps. On gagne en même temps les abdos qui sont ici. On garde le dos droit, on ne vient pas arrondir le dos, on n'est pas bossu. Encore. Super. Mets-toi face à moi, on écarte un petit peu les jambes en squat sumo. Squat sumo. Et au deuxième squat, mollet. On va tout de suite le faire avec un haltère, ici. Squat. Squat sumo. Squat simple, descend, squat sumo mollet, encore, et après ce sera la récup, on refera ces 4 exercices, plus de nouveau. Et c'est reparti, on reprend nos 4 premiers exercices. Soulevé de terre, plus fente arrière. Ok. Là, on travaille l'arrière des cuisses, les fessiers. Et là, la fente arrière, en fait, permet d'activer plus les fessiers que la fente avant, qui, elle, active un petit peu plus les quadriceps. Allez, on s'accroche. Encore. Ici. Hop. Et fente arrière. Allez, c'est bien la team. On a fait le plus dur, on s'est connecté ensemble. On effectue cette séance dans la joie, la sueur et la bonne humeur. L'autre jambe. Maintenant, fente arrière. Soulevez de terre. Fente arrière. Fente arrière. Encore.
On continue. Encore, derrière. Accroche-toi. On passera en squat genou dans 5 secondes. Tu pourras poser tes haltères. Ok. Prends le temps de la transition, c'est pas grave si tu prends quelques secondes. N'oublie pas le plus important, ne pas te blesser et mettre de l'intensité. Allez, accélère maintenant tout de suite. Super. En bas, en haut, en bas, en haut. Hein. C'est pas seulement tu remontes comme ça, sinon tu te redresses carrément. Je préfère pour détendre tes jambes. En bas, position haute. En bas, position haute. Encore. Ok, on se redresse. Munissez-vous de votre haltère. On va passer ici en squat. Simple. En position sumo écartée. Ici. Et on décolle les mollets. Squat. Simple. Squat. Mollet. Regarde ma position. Ici, on garde le dos droit. On ne vient pas arrondir le dos. Encore. Squat. Ici. Squat. Mollet. Encore. En bas. Et ici. Ok, super. On va partir en fessier à 90. On va se mettre ici à quatre pattes. Et on va venir travailler son fessier en isométrie. Le côté droit ou le côté gauche, peu importe. Garde le talon vraiment face au plafond. Ici, et essaie de monter le plus haut possible. Exagère la position. On a souvent l'impression d'en faire beaucoup en faisant comme ça. Crois-moi, l'amplitude est déjà bien réduite. Alors, on va l'augmenter. Allez, encore. Accroche-toi. C'est bien. Encore. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Change de jambe. Encore. Allez, c'est bien. Tu commences à sentir que c'est la piquance ou pas? Yeah! Accroche-toi. Allez, 15 secondes. Reste concentré. Les bras sous tes épaules. Viens monter ton fessier. Plus haut. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et récup. C'est parti, on repart. Soulevé de terre, fente arrière. Encore. Soulevé de terre, dos droit, fente arrière. Encore. Tu vois ici, le but, c'est pas de garder les jambes le plus tendues possible. Légère flexion pour descendre un peu en dessous des genoux. Encore. Allez, c'est bien. Allez, accroche-toi. Allez, l'autre côté. Reste concentré. Dos droit, descends bien en bas. Pousse les fesses en arrière. Quand tu es ici en position, te soulever de terre. Encore. Allez, stabilise-toi. Écarte bien tes jambes, jambes arrière légèrement sur le côté. Pas obligé d'être dans l'alignement de tes pieds, c'est ça que je veux dire, pour pouvoir faire une belle fente stable qui évite de te faire mal aux genoux. Encore. Prochain exercice, tu le connais, c'est squat genoux. Allez, c'est parti, pose tes haltères,
ici. Let's go! Allez, c'est bien. Regarde-moi dans les yeux, Eyes of the Tiger. Booty of the Pêche. On n'est pas des tranches de pain de mie. On n'est pas des petits pruneaux d'Agen. On est là pour être des belles pêches Melba. Oui, on parle food. Mais attends, non, on va pas se comparer à une plaquette de beurre quand même. Quoique, on va être en train de brûler un max de gras, de tout faire fondre. La comparaison pourrait être tout à fait équivoque. Allez, accroche-toi. Et si je te fais rire pendant ta séance, tant mieux, tu bosses en plus les abdos. Allez, 3, 2 et 1. Super. Allez, mine-toi dans l'haltère. On va passer en squat, plus squat sumo mollet. Descends ici. Si c'est moins pratique pour toi, tu peux faire toujours avec l'haltère ici. Ok? Allez, squat simple, squat mollet. Squat simple, squat mollet. Encore. Accroche-toi. Squat simple. Squat mollet, ensuite ça sera au sol, les jambes à 90 degrés. Encore. Cha. 3, 2, 1. Passe au sol tout de suite, maintenant. Now. Allez, c'est bien. Positionne-toi. Jambes à 90. Et on lâche rien. Allez, c'est bien. Allez, on respire, on souffle bien. Pense à t'hydrater pendant les temps de récupération. Boire de l'eau, shaker d'eau ou de BCA pendant ton workout. Allez, lâche rien. Allez, 10 secondes à team. Encore. 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, accroche-toi. Concentre-toi ici. Au prochain exercice, tu prendras à nouveau tes haltères. On va se mettre debout en fente bulgare avec notre chaise. Ok? Allez, lâche rien. Encore. Accroche-toi. Let's go, les jambes sexy, c'est maintenant. 10 secondes. Allez, 6, 5, 4, 3. Prends tes haltères. 2, 1. Redresse-toi en sécurité. Positionne ton pied à l'arrière, ici. Et on vient descendre en position fente. Ça commence à être la dégoulinance. Alors là, on a le frontal qui est en sueur. Mode piscine activé, on y est. C'est parti, c'est pareil, épaule en arrière. Dos droit, descend bien à la verticale ici. Pas forcément vers l'avant. On tient le coup. On s'accroche. Encore. Allez. Viens chercher le vers le bas. On change de jambe. Positionne-toi bien. Active-moi ce fessier. Encore. Allez, c'est bien. Après ça, c'est la récup. Il nous restera seulement 2 tours. Le prochain, on rajoutera encore 2 exercices. Accroche-toi. Encore. Allez, super. Allez, 15 petites secondes. Accélère. Matraque-moi cette cuisse avant. Encore. Allez, plus bas. Belle flexion en bas. 3, 2 et 1. C'est bien. C'est reparti, on part pour l'avant-dernier tour. On rajoutera à nouveau 2 exercices. Ce qui est bien avec le format pyramide aussi, c'est que ça vous permet d'appréhender les exercices. On les refait plusieurs fois, on en rajoute 2 à chaque fois. C'est facile de suivre avec les transitions. C'est un format que moi j'aime beaucoup
parce qu'il rajoute plein de sensations. Ça peut être très difficile, surtout si on met un peu plus de charge. Là, entre 2 et 6 kilos, vous allez vous mettre bien. Allez, encore. Soulevé de terre, fente arrière. Et on passe à l'autre jambe. C'est parti. Allez, vas-y, contrôle ton mouvement ici. Fesses en arrière, encore, c'est bien. Allez, pousse loin. Allez, la team, on ne va pas s'arrêter maintenant, même si là, les jambes commencent à flancher. Là, la fatigue musculaire, elle prend pas. Vous pouvez avoir le cardio qui est légèrement monté aussi, c'est tout à fait normal. On a les jambes qui tremblent. Encore. Pose tes haltères, ici. Squat, genou. Allez, ici, tu joues ta vie. Tu donnes tout. Encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi, dos droit. Je t'ai dit, Eye the Tiger, c'est entre toi et toi, maintenant. C'est un exercice difficile parce qu'on a les jambes qui piquent quand on est en bas, on a tendance à vouloir se redresser. Mais c'est là qu'il faut tout donner. On est ici au poids de corps. On joue avec la pliométrie des jambes. Là, on a l'acide lactique qui commence à monter. Ça brûle, on sent les muscles qui se tétanisent. Ça fait mal. Allez, accroche-toi. C'est bien, t'es sur la bonne voie. Allez, reprends un haltère maintenant. Redresse-toi. C'est parti. Tu peux en prendre un ou deux, hein, d'ailleurs. Squat ici. Squat mollet. Squat simple. Squat mollet. Les jambes légèrement écartées vers l'extérieur. Genoux vers l'extérieur. Descends ici. Garde bien le dos droit. Allez, encore. Accélère. Yes, c'est bien. Lâchez rien. Encore. Super. Allez, il reste que quelques secondes. On passe au sol. Extension à 90 au niveau des fessiers. Ici. Allez, c'est bien. Contracte. Concentre-toi. Encore. Super. Allez, ne lâche rien. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et si tu veux encore plus de séances booty, n'oublie pas qu'il y a la playlist du programme Booty Power. Un mois de programme cuisse, abdos, fessiers, abdos. Je dis deux fois abdos. Il y a aussi beaucoup de fessiers. Change de jambe. Maintenant, positionne-toi. Arme la jambe arrière opposée. Encore. Allez, viens chercher. Comme si tu avais un truc au sommet de ton pied, tu essayais de pousser vers le plafond. Encore. Imagine l'élastique imaginaire. C'est maintenant. Et encore ici, le fait de ne pas avoir d'élastique, ça permet d'éviter de pousser vers l'arrière ici pour essayer de tenir son élastique. Là, on est vraiment contracté au niveau du fessier quand il est en haut, en direction du plafond ici. Encore. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends tes haltères. Redresse-toi, on passe en fente bulgare. C'est parti. Ici. Positionne-toi. Et on descend. Allez, c'est parti, let's go. Les cuisses, les fessiers que tu n'as jamais eus, c'est maintenant. C'est tes efforts tout au long de l'année, au fur et à mesure des mois. L'hygiène de vie globale, quotidienne, la régularité qui fait que tu auras des résultats. En plus de la diète, bien entendu, vous le savez, rien n'est magique. C'est vous qui rendez tout ça magique avec la somme de vos efforts. C'est vrai. 3, 2, 1, on change de jambe. Allez les gars, allez la fille de famille, nous on est ensemble. On est une équipe, on fait tout ensemble. On souffre ensemble, on a des résultats ensemble. On se retrouve à chaque séance, ensemble. Allez, c'est pas les résultats, enfin, c'est pas la motivation qui manque aux gens pour les résultats. Hein. C'est la régularité, c'est l'intensité. Là, si tu pars à 2 kilos, si un jour tu refais cette séance, tu passes à 3, puis à 4. Allez, accroche-toi, sors pas, reste pas dans ta zone de confort. Sors, 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 encore. Fais les exercices qui te font mal, que t'aimes pas. C'est maintenant.
Ok, garde tes haltères, tu peux en prendre un plus gros. Ici, on va passer en hip thrust. Rapproche bien tes pieds de tes fessiers et essaye de monter le bassin. Ici, le plus haut possible. Allez, encore. Si tu as deux bouteilles d'eau, tu mets les deux bouteilles d'eau ici, sur tes hanches. Et tu montes bien. Ici, la contraction importante, elle est quand tu es en haut, pas quand tu es en bas. Allez, tu peux même rester une petite seconde en haut supplémentaire pour vraiment venir chercher la contraction. Allez, lâche rien. Tu as fait le plus dur. La séance, elle est passée ultra vite. Encore, on passe en hip thrust frog. Ici, tu viens écarter les jambes en papillon et tu fais la même chose. Et là, c'est plus dur de monter le bassin, c'est normal. Rapproche bien tes jambes, de tes fessiers, tes pieds. Garde les jambes vraiment écartées sur les murs, sur les côtés. Et essaye de monter encore le bassin. Allez, c'est bien. Il ne restera plus qu'un tour après ça. Dernière récup. On en enchaîne tout. Et on rajoutera deux petits chiens, deux petites élévations côté, comme j'aime bien les appeler. T'y es presque. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Et c'est parti, dernier tour. Allez, la team, on connaît tout l'enchaînement. Maintenant, à vous de jouer. On matraque. C'est maintenant. On garde les points clés. Ici. Encore. Face en arrière, dos droit. On vient chercher une belle fente arrière. Allez, encore. Ici, on accélère. On met de l'intensité, on rajoute de la vitesse. Allez, c'est bon la team, on lâche les rênes là maintenant. S'il vous reste encore un peu de jus, presse le citron, encore. Allez, l'autre jambe, accroche-toi. Ici, laisse en arrière, le poids dans les talons ici, ce qui va te permettre de garder de la stabilité. Encore. Ici, super. Allez, c'est bien. Lâchez rien. Le plus gros du boulot, il a été fait les 26 dernières minutes. C'est derrière vous. Là, c'est le finisher. Le sprint final. Encore. Allez, pose-moi ces haltères. Squat genou. Let's go. Allez, c'est bien. Reste en bas, dos droit, encore, et tu accélères. Grandis-toi, dos droit, encore, reste en bas. Allez, accroche-toi, 10 secondes à faire. Je me mets face à vous. Épaule en arrière, 4, 3, 2. Reprends ton haltère, positionne-toi debout, squat sumo, squat, squat mollet, squat, squat mollet, squat, squat mollet. Allez, encore, arrache-toi. Allez, lâche rien. Garde le dos droit. Encore ici. Décolle les talons. Encore. Allez, tu peux le faire. On passe au sol dans 3 secondes. À nouveau. Jambes à 90. Ici. C'est la dernière fois qu'on le fait. Chaque exercice a son importance. Ne remplace rien. Si tu as un exercice qui est plus dur qu'un autre sur une séance avec moi, essaye de le faire.
Tant pis si t'en fais deux en 40 secondes. Fais-le. Adapte-toi. Fais au mieux. Ensemble, allez. 10 secondes, on changera de jambe. Lâche rien. Et un, super. Allez, change de jambe. Ici. Encore. Allez, 15 secondes. Reste concentré, focus sur ton mouvement. Reprendra les haltères en fente bulgare. Lâche rien. Ça dégouline sur le front, hein. Même sans sauter de partout. Allez, accroche-toi. 2 et 1. Super. Allez, reprends tes haltères. On prend le temps de se relever, tant pis. Allez, c'est bien, on s'arme son pied à l'arrière. Positionne-toi bien. Et let's go, c'est parti. Allez, encore. Allez, on est capable d'aller jusqu'au bout, on est ensemble. Je vous lâche pas. On est capable. On va jusqu'au bout. On n'a pas lancé cette séance pour en faire la moitié et dire à la fin, vas-y, j'arrête là. Là, c'est maintenant les efforts qui payent. Allez. Encore. Change de jambe. Allez, c'est bien. Il nous restera 4 exercices après ça. Là, il reste moins de 4 minutes. Alors, donne tout ce que tu as. C'est pas le moment d'arrêter. C'est pas le moment d'abandonner. Allez, 10 secondes à peine. Accélère. Encore. Allez, une rep de plus. Et on passe au sol. Dans 4, 3, 2, 1. Allez, c'est le finisher. T'as fait le plus dur. Hip thrust. Ici. Allez, c'est bien. Là, tu peux utiliser des kettlebells. Si t'as plus de 6 kilos sur cet exercice-là, si tu peux, vas-y, fais-toi plaisir. Si t'as déjà des haltères, des bouteilles d'eau, même si tu le fais au poids du corps, c'est pas grave. C'est juste que c'est un exercice où on peut un peu plus charger. C'est un exercice qu'on peut faire en muscu avec une grosse barre olympique. On peut soulever jusqu'à 60, 80, 90 kilos. C'est un exercice redoutable pour les fessiers. On passe en position frog, ici, papillon. Allez, c'est bien. Papillon grenouille, bien sûr. Allez, essaye de décoller ici tes fessiers. Les montées, le bassin ici. La hanche le plus haut possible. Encore. Allez, c'est bien. Reste concentré. C'est des petits mouvements d'isolation. C'est là qu'on vient travailler encore plus. On casse des noix. On vient casser la cellulite, les capitons ou de la culotte de cheval. C'est maintenant. Allez. On passera à nouveau à quatre pattes dans quelques secondes. Pose ton haltère. C'est bien. Hop. On bascule à nouveau ici. Et on passe en élévation latérale. Allez, on fait côté droit, côté gauche. On aura fini notre entraînement. Encore. Accroche-toi et accélère. Si tu es dans une bonne position, essaye attention de ne pas pivoter trop sur ton côté où il y a ta jambe. C'est comme ça qu'on va créer encore plus. Plus tu es comme ça, moins tu vas le sentir. Plus tu seras vraiment face à ton tapis, plus tu vas le sentir. Allez, encore. 5 secondes, on changera de côté. 3, 2, 1. Allez, c'est bien. Et après tout ce qu'on lui a fait subir, là, vous devez bien le sentir. Levez bien sur le côté encore. Allez, c'est bien. C'est les 30 dernières secondes de ta séance. C'est maintenant. Allez, reste concentré. Donne le meilleur de toi-même. C'est un tout petit exercice, mais rajoutez au reste. C'est déjà la brûlure. Allez, 15 secondes. Recentre-toi si besoin. Stabilise-toi bien, il n'y a que la jambe qui travaille. Tu restes face à ton tapis. Encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1.
Yeah! Wouhou! Merci à tous de vous être entraînés avec moi, le booty on fire! Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vous, vraiment! Partagez-moi votre séance sur les réseaux sociaux, créez le screen check des familles à la fin de votre séance et partagez-le en story. Comme ça, moi, je peux vous repartager aussi sur mes réseaux sociaux, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune des prochains Monday Workouts qui sortiront tous les lundis sur la chaîne. Et si vous voulez aller encore plus loin et rejoindre tous nos autres programmes ultra complets et des centaines de recettes, abonnez-vous à l'application Fit Fight Forever. Je vous mets le lien dans la description. Merci à tous, félicitations, ciao ciao! Yeah.